Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Raphaël. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Jurassic Arc, les amis. Alors, comme vous voyez dans mon inventaire, j'ai pris un maximum de flèches narcotiques, puisque tout simplement, il y a un T-Rex niveau 92 à côté de chez moi, bref, à côté sur l'île des Carnots, juste en haut dans le coin de la map. Alors pour cet épisode, je vais être accompagné comme dans les derniers en vocal de mon ami Sleazy O'Neill. Salut, salut. Et puis voilà, on va essayer de l'adopter. Il faudrait que je prenne de la viande, ça pourrait être une bonne idée. Peut-être une bonne idée, hein. Est-ce que j'en ai pris ou pas? Est-ce que j'en ai pris? Oui, j'en ai pris 25 viandes supérieures. T'es Ça normalement devrait. intelligent, toi. Ben oui, sommeilleux! Yes, Alors, je suis assez dégoûté puisque, aussi à côté de ma base, genre, il y a un coin de spawn de T-Rex. Et puis, il y en avait 4. Il y a 4 que spawn. Et puis, genre, à côté de la grosse montagne là-bas, là, la grosse montagne là-bas, il y a un coin de spawn de T-Rex. J'en ai trouvé 4. Et malheureusement, le plus haut qui était, je crois que c'était genre niveau 54. Et moi, je cherche un niveau 70, 68 minimum. Comme ça, je veux avoir au timing un niveau 100. Et puis là, il va être niveau 92. Ça va être bien. Presque niveau. Il va être genre niveau 140 quand il va être adopté, je crois. Quelque chose genre. On va voir ça. Et puis, voilà, ça va être assez sympatoche. Let's go, je suis content. En plus, c'est une femelle, il faudra juste trouver un mâle. Et puis ensuite, on pourra faire de la reproduction. Aussi, j'ai croisé en cours de route, ça, j'ai eu vraiment de la chance. Je sais pas pourquoi il y a genre eu des gros spawns d'alpha, puisque j'ai trouvé 3 raptors alpha à côté, en fait, juste à côté. Genre littéralement, c'était une gang de raptors, mais c'était que des raptors alpha. J'étais en mode ok, on va les niquer. Bon, ça fait plaisir. Malheureusement, je crois qu'aux alentours de là-bas, il n'y a pas de petites notes que j'aurais pu prendre. Ok, normalement il est ici. Puis là j'arrive, il est mort. Ça serait très drôle. C'est faux, je serais en train de rager. Mais je le vois Ouais. même pas. Mais il doit être sûrement plus loin. Je suis pas intelligent du tout parce que j'ai pas tué les alphas. Oh! Damn, son! Oh, c'est trop stylé ce que je vais faire. Ok. Il est où le putain Ah, de. gros, ce qui s'est passé, tu veux-tu que je t'explique ou pas? Ah ouais. Ok. J'étais en 4v1, ok. Fait que là, ben, moi, j'étais tout seul. Contre 4 personnes, fait 1v4. Là, j'arrive, puis j'ai plus de munitions dans mon AR parce que c'est ça. Fait que là, moi, j'arrive avec mon pistolet, puis là, ben, j'en tue 3. Puis le dernier, après ça, genre, je le tue genre, parce que je pouvais comme plus recharger, genre, j'avais comme pas le temps. Puis genre, là, je l'ai tué au couteau, fait que c'était comme trop stylé, là. Il était comme toutes les 3 en train de me spammer. Je suis trop T'avais pas le content. temps de niaiser. Exactement. Ok, moi j'ai commencé, je crois, le timing. Je le vois pas. Non, mais je le vois. Je sais il est Nice. où, mais juste. On dirait qu'il est pas buggé dans la pierre, mais. Genre, en réalité, ça peut être bien pour Tame. Je crois pas qu'autour il y a des trucs qui vont casser les couilles. Fait que ça devrait bien aller normalement. Puis pour là pour est-ce qu'il est comme à la bas à la l'île comme que j'ai adopté mes deux argentavis là? Sûrement. Non, non, non. J'essaie de tuer tous les trucs aux alentours. Avec mon Quetzal qui fait du 43 de dégâts, ce qui veut dire pas beaucoup du tout. Exactement. Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre. Je crois qu'il y a juste un Smilodon qui cassait les couilles. Bon, ça c'est tout. Je vais juste essayer de voir. Mais au pire, endormi, personne n'a attaqué T-Rex, si je me souviens bien. Please que tu sois buggé dans la pierre. Non, À mais vous, t'es ce pas serait beaucoup. trop drôle. Oh non, non, non. Ah. Bon, c'est bon, c'est bon. Tu vas t'endormir, mon pote. En été, il est stylé, mais en même temps, il l'est pas. Parce qu'il est genre vert, orange et noir. Orange et noir, c'est stylé, mais le vert au-dessus, sur la crête, c'est moins stylé. Au pire, Non. je vais te peindre. Alors, C'est parti pour le timing. let's go, let's go.
j'ai même pas compté j'avais combien de flèches, mais je crois que je dois être bientôt à ma vingtaine de flèches tirées, je crois, peut-être. Je sais pas. Nice. Mais c'est pas... Ah non, on le voit sur le côté. Ok, chaque 16 flèches de tir. Ah, c'est bien qu'on peut voir sur le côté, ça nous prend combien de flèches. C'est bien. Je suis en train de spam sa mère. Il continue à me regarder comme un con. Regarde-le pas, Yaga, endors-toi. C'est simple. Ou pas. Je suis bientôt à ma 25e flèche. Nice. Ok, il rage, il veut pas m'atteindre, fait que là il commence à, il continue, il commence à crier. Et genre, oh, je peux pas t'atteindre. Ben ouais, mon pote, c'est pour ça que c'est trop cheat le Quetzal. Le Quetzal, c'est beaucoup trop cheat. Ah ouais, parce que tu peux aller sur le Quetzal pour. Ah ouais. Pour le tirer dessus. Oh. Ben, je suis vraiment con, pourquoi j'aurais pas pensé à ça? Yo, t'es bientôt en 100, genre, Endor 3. Là, tu vois, tu trompes, t'as pris des flèches. Non, non, je vois bien que c'est des flèches tranquillisantes que je lui mets. Il est marqué sur le côté 40 flèches tranquillisantes utilisées. Ok, bah, nice. Ça devrait aller, ça devrait être bientôt. Mais genre, il fuit bien, pas. Bien, bien. Mais mon style, mon, quand j'ai adopté mon T-Rex au follow niveau, ça lui a pris genre plus de 50 flèches pour l'adopter, je crois. Ouais, plus de 50 flèches, genre. C'était long. Mon T-Rex qui est bientôt rendu. À un moment donné. Ouais, sûrement. Genre, il... ça fait 55 flèches que je mets là. Oh shit. Il est bientôt en 100, genre. Ben, il est en 100 en fait. Qui mets-tu le pomme? Je vais lui mettre encore quelques flèches. Puis je vais attendre. Ouais, bien. Ouais. Parce que, ah oui, parce que les faits, genre, c'est comme. Il faut attendre un peu, je pense que. Tiens, mais genre, passe... rendors-toi, maudit. Ok, fuis. Ah oh, nice, c'est bon. Je dirais. Mais quand il fuit, c'est ça qui est plus dur, je trouve, surtout quand il y a de l'eau proche. Parce que tu veux pas que tu s'endormes dans l'eau, parce que sinon il va se noyer. Je pense. Ouais, ouais. Ouais. Parce que moi, à un moment donné, j'ai un Argentavis qui s'est noyé à cause qu'il est tombé dans l'eau. Il était niveau 150 si j'ai eu ta garde à l'adopter. Il y a la 150 après. Mais fait genre gros day. Tu vas t'endormir ou pas genre? Ouais. Pas pendant l'eau gros s'il te plaît. Il arrête pas de fuir mais genre il veut pas... Je lui tire pas, je veux pas essayer de lui tirer des flèches, j'ai peur de le tuer. Genre. En même temps, il s'approche de gars qui casse, qui va lui casser les couilles si ça continue. Oh merde. Il va dans des endroits genre full dangereux, sa mère. T'inquiète pas, lui. Il va survivre là, il va survivre aussi. Là. Si quelqu'un l'attaque, il est mort, c'est sûr. Ouais. Par exemple, vous jouez dessus. C'est mort, je crois que vous pouvez remonter à 1000. Il est endormi. Yeah. Nice, let's go. Il est endormi et là je me mets en hauteur et je tue tout le monde qui est en bas. Ok. Alors normalement personne n'attaque quand il est endormi. Sauf les Argentavis. Je suis tout ce qui est autour. Ouais, tu fais que c'est vrai que moi avant d'aller adopter un truc, si je vois des Argentavis, je les fais dégager de la map. Dégage. Ok. Ok.
Ok. Tu vas l'avoir. Ok. Okidoki. J'aime tellement pas faire des timings ici. Sérieux? Ah, ici, ok, ouais, moi c'est un de mes trucs préférés, faire des tamines. Ouais, mais moi aussi, mais pas ici. Genre, Ouais. je stresse que quelqu'un attaque. Parce qu'il touche une fois mon T-Rex, c'est pas qu'il meurt, c'est qu'il va. Mais c'est. Ouais, il va perdre des niveaux. Il va perdre des niveaux. Mmh. C'est trop chiant. Moi, j'aimerais ça adopter un autre spinosaure. Un autre spino. Mais. Moi aussi. L'homme à la chine. Est-ce que c'est ça qu'il me faut pour faire de la reproduction de Spino? Il m'en faut un. Moi, je suis descendu de mon Quetzal. Et je suis avec un pompe. Puis je suis en train de Fait que moi il me défoncer. faudrait une femelle, une spino femelle quoi. Pourquoi j'ai tout le temps soif? Je crois que j'ai vu des ailes d'Argentavis. Oh. Oui, j'ai vu des ailes. C'est bien un Argentavis. Il attaque pas mon T-Rex pour le moment. Il l'attaquera pas non plus. J'ai tué. S'il vous plaît, Nice. qu'il aille pas toucher mon truc. Yes, qu'il a pas touché mon truc. Let's go. J'entraîne crever de chaud. Oh. Je suis en train de crever de chaud. Yeah. C'est pas cool. Ok, ben là, je vais faire une petite ellipse, puis on va se retrouver quand il va être tamé, je crois. Yasmine! En fait, c'est parce que j'ai pas eu le message que je l'ai adopté, puis toute la patente, parce qu'il était trop Parce qu'il loin. est trop loin, ouais. Fait que là, je l'ai juste vu se lever, en mode, let's go. Fait que, ouais, je vais mettre en mode Nerd, puis je vais mettre en mode pas bouger. Puis comme ça, si tu te fais attaquer Quetzal, ben. Un T-Rex. Un T-Rex. Oh! Tiens. T'es niveau combien, toi? Niveau combien? Il est mort. Il va mourir, lui. Ok, ouais, mais Il est niveau juste combien? niveau 12. Hein? Chef. Ben, chef qui meurt, là. Pas chef parce qu'il est bon niveau. Allez, niveau Bah, il est décédé. 137. Fait que moi, ben, je vais prendre mon T-Rex. Puis je vais screw. Yes, sir, madame. Oh my god, il est stylé. Oh, yes, sir. On est là ou pas, mon pote? On est là ou pas? Je te défonce. C'est bon, allez hop, un niveau en plus déjà là. Ça va bien. Il y a déjà 4000 points de vie, ça fait plaisir. Et puis, je vais lui augmenter ses dégâts de mêlée. Puis, ça fait plaisir. Allez, on va aller Yo, looter. Carnot. Ça Ça va ou fait. quoi? Mais la sensation d'avoir un T-Rex. Au niveau. Tu dégages. Toi, allez hop. Ça, c'est Bien des joueurs. évidemment, ceux qui regardent la vidéo, Raphaël, c'est un joueur pro. Yes, Oh, Miller. niveau combien il est? Oh, je lui ai augmenté le poids sans Un faire pas Spino niveau exprès. 36, je l'adopte pas. J'ai augmenté son poids sans faire pas exprès. No! Bon, c'est pas grave. De Tout toute est façon, stylé. c'est un mâle, puis j'ai une femelle. Ça fait... Coucou, t'as ça? Oh yeah! Il y a genre full truc là. Je vais Moi, foncer dans le il va top. violer mon argentariste, putain. Le nombre de trucs qu'il y avait ici, par exemple, c'est incroyable. Ouais, ben en parlant de spawn de Spino, gros, pour Wouah, l'instant, je je suis me assez suis satisfait. monté là-dessus, gros. J'ai pogné 3 niveaux là-dessus. Hein. Allez hop, on met Nice. tout dans les dégâts de mêlée. Celui-là, je crois que ça va être mon T-Rex dégâts de mêlée. On va essayer de mettre ça. Ben, on Il va fait l'augmenter. combien de dégâts? Là, maintenant, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai essayé de taper quelque chose là. Du 216.
Mais il a pas été augmenté beaucoup en économie. Mais y a-t-il beaucoup de poids? Je sais pas. Mais genre, moi, mon autre T-Rex que j'avais adopté, qui était moins haut niveau, quand je l'ai adopté, il y avait 200, il y avait 350% de dégâts de mêlée, puis moi, celui que je viens d'avoir, il y avait 300%. Fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts de mêlée, mais dans les autres trucs, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Mais je m'en fous, il est haut niveau, fait que. Juste check quelque chose. Peut-être sur le site internet, je crois que, genre, il était niveau 137. Fait que je vais juste check quelque chose. Je crois qu'on peut voir quelque chose sur le site. Ok, la peinture, je m'en fous pas les couilles. Compliqué à comprendre leur patente. Pépépépépé. Ok, bon ben, fuck all. J'ai la flemme de lire. Puis en plus, c'est en anglais. Fuck all. Il y a tellement de trucs, je vais tout niquer. Je te mets un minimum de dégâts de mêlée, ensuite tu t'augmentes la vie, t'inquiète pour le bot. Venez vous battre! C'est drôle parce que genre tu sais quand que je commençais le jeu je voyais des spinons genre je voulais partir puis là j'en voyais plein puis je voulais partir mais là j'en vois pas mais puis je les cherche. C'est vrai. Yes. Mais là je suis dans un autre spawn de spinons. Juste voir quelque chose. J'allais voir au pire après avoir fait un ménage. J'allais voir quelque chose. Spinon. Il y a tellement de Niveau 12, carnots, mais c'est yo! abusé. Un niveau 12, ça me casse les couilles. C'est quoi un On va spinon? aller le tuer, ça va être drôle. Toi, t'es mort. J'en ai rien à foutre, t'es mort. Coucou, moins 216 de points de vie. Encore moins de temps. Ouais, t'es déjà à 100 après genre 10 coups. Même pas après 5 coups de. Bye bye. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Ou pas. Alors, au prochain. Voilà. C'est très satisfaisant, je tiens à te le dire. Oh, son ami vient de se défendre à Milan après la bagarre. Ben, elle va mourir. Tiens, tiens, tiens. Dégage de ma vie, tu te prends pour qui? Ouais, bon, ben, tiens, 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 c'est sympatoche ça. Ben moi j'attends le prochain Spino, le prochain T-Rex. Il y en a-t-il un qui a des couilles de se montrer? C'est chiant qu'il n'y a pas eu de. Oh, mais ce soir, gros, je vais prendre mon T-Rex, je vais me balader sur toute la map. Je vais tous les niquer. Dégage, allez hop. Rentre dans le fight. Je suis là. Vous, les argent à vous dégagez. Allez hop, je monte encore d'un niveau parce que je suis un boss. Ah non! T'es même pas mort. Et t'oses m'attaquer. T'oses m'attaquer. Tu vas mourir. Tu te prends pour qui? Il se prend pour quelqu'un qui veut faire monter le niveau ton T-Rex.
simple, efficace, bang bang. Bang bang chicka wah wah. J'ai one shot un raptor, c'est très drôle. Nice! Genre le gars il arrive, ah, je veux te tuer! Là tu le one shot. T'es mort! T'es nul! Toi, t'es mort. Ouais, non, c'est plus non, tiens. Alors. C'est niveau combien, toi? 32, mais yo, j'en ai mort, putain. Toi, tu vas mourir en enfer. Au moins, j'en trouve, c'est ça qui est bien, tu vois. C'est pas comme si, genre, j'en trouve pas. Fait qu'au moins, il y a un peu d'action. Mais là, puisque je me fight dans l'eau, j'ai comme toujours peur de genre aller dans l'eau puis de partir puis genre de sortir de mon. Ouais. Bye bye, Spinosaur. Ah! Tiens, coucou. Un carnot mort. Avec moi et mon argent Tavis qui est monté de niveau. Il vient pourquoi pas, mon enfant? C'est mort! Vous dégagez! C'est très drôle. Oh yes, un gros bif là-bas. Mais il y a full argent à vie ici, c'est incroyable. C'est pas bon. Tiens, tiens, tiens. Je sais pas quoi monter, les dégâts de mêlée ou les... Ben ça dépend, il y a combien de dégâts de mêlée. Là j'ai mis à 400, mais je crois que j'ai juste... Parce que s'il y a beaucoup de poids, ben améliore le poids là. Mais non, non, mais non, on s'en fout du poids sur un T-Rex. Ah ouais. Ah, ok, malade, ouais, c'est vrai. Je vais améliorer... J'ai juste check une vidéo. Pour voir il faut combien de dégâts de mêlée sur un T-Rex puis combien de vie environ. Compo, boss, arc. Allez hop, c'est simple, efficace. C'est pas ça, c'est ça que je veux voir. Ok, un Uranus, je m'en bats les couilles. Je veux voir un T-Rex, wesh. Un T-Rex c'est combien? Ok. Ok. What? Ben j'ai déjà les dégâts de mêlée qu'il me faut. Nice. Ça m'améliore la vie de voir. Ouais, mais je veux. Ouais. Pipi. Caca. Poêle. De vache. Ok, ouais. Ouais. Je vais améliorer. Sa mère. On dirait que c'est niveau 148 déjà. Mais c'est bien. Ouais. Yes, menu. Un autre pinot. C'est du beau la vie. Il est juste un petit peu en sang par contre. Fait que je vais lui laisser un petit peu se rétablir. Niveau ça, c'est juste un petit détail. Attends un petit peu. Je me pose. Je regarde dans attention. Oh, attention. Niveau 8, puis sinon il est pas en sang. C'est juste parce qu'il est rouge, puis je, de loin on dirait qu'il est en sang. Maintenant il va juste mourir. Oh oh. Stinky.
Ben là, il est ensemble. Puis là, il est plus parce qu'il est mort. Non! Oui, c'est quoi ça, genre? Dégage. Toi, tu dégages. Toi, tu nies ta mère, tu dégages. J'ai tout ce qu'il me faut pas. Tout ce que j'ai pas besoin. Nick, c'est mort. Un autre spinou. Niveau 52, j'ai l'air de petit. Il est quoi, un spinou? Niveau Ouais. 52? Non. Ouais, mais c'est une femelle en plus. On s'en fout, niveau 52, ça vaut pas la peine. Ok. On s'en balèque. Ouf, j'ai pris des dégâts de chute, sa mère. Mais qu'est-ce que tu fous là, genre? Non! D'où y a une note ici, genre? Non, j'ai pris une note avec mon Quetzal. Puis pas Oh avec non. mon truc. Mais d'où y a une note là? D'où? Ah! Fuck! Oh, je suis deg! D'où il y a une note ici, quoi. Ah, ça aurait fait genre monter mon T-Rex au moins niveau 150. Monte. Sur mon Quetzal. Dis-moi pas que là, il est trop. Wow, je vais tellement lentement. Right. Alors, tiens, tiens, tiens. Moi, je pense, je vais regarder sur... Attends, y a-tu pris? Oh non. Je vais regarder sur les internets où sont les Okay. notes. Ben là, pas tout de suite, là, mais genre où sont les notes. Puis je vais faire le tour de la map pour prendre les notes avec mon T-Rex. Ouais, Puis en bonne même idée. temps, je suis tout ce que je vois sur mon passage. Je peux Au le faire niveau maintenant, toi. 20. Oh, il y a un T-Rex. Il y a un autre T-Rex qui a spawn. C'est un T-Rex tech. Les T-Rex tech, les trucs tech, ils ont plus de chances d'être au niveau, à ce qu'il paraît. On va checker c'est quoi son niveau, le petit tabarnouche. Il est niveau. Oh oh, ça pue. Ok, ouais. Oh, c'est incroyable si ça marche. Oh, c'est incroyable. Non. Non. Fais pas ça. Fais pas ça. Saute pas dans le vide. Il a sauté dans le vide. Ok, il est pas mort. Ouh, j'ai eu peur. Oh oh, ça pue. Oh non, il va s'attaquer au T-Rex Alpha, T-Rex Tech, mais je sais même pas le T-Rex Tech de niveau combien. Oh, je suis dé... Mais what the heck? Puisque le T-Rex Tech était pas au niveau parce que là ils sont en train de se battre avec.
Hey, il fait du 110, le tabarnouche. Il était niveau 52, c'est bon. Ouh! S'il aurait été niveau gros niveau, ça j'aurais été dégoûté. C'est bon, il était niveau 52. Mais quand même, hein, c'est pas mal, niveau 52. Mais non, même là. J'aimerais ça juste pour le style adopter un T-Rex tech. C'est tellement stylé. Ouais. En plus, ça a plus de. Les T-Rex tech, genre, ont plus de chances d'être au niveau en plus. C'est cool. Disons, genre, un bonus, je sais pas trop combien. Et même, tu peux trouver le niveau maximum, le mal, genre. Nous, Ouais. c'est 150. OK. Ben, pour que tu peux trouver dans la nature, mais les trucs tech, tu peux en trouver des niveaux, je crois, 180 maximum. OK, ouais. Fait que tu peux trouver genre des T-Rex niveau 180. Puis ça, je trouve ça stylé, gros. Ouais, vraiment. Le gars qui trouve des T-Rex tech en niveau 180, il se met bien pour les boss. Vraiment. Le gamer Moro, il vient de me texter, yo, ça va. Ouais, moi aussi. On dirait que tu cherches des amis. Tu peux-tu couper ça au montage, s'il te plaît? Ok, ben mais. Pour combien de hots tu lui dis, tu cherches-tu des amis? ben j'ai 4. 1, 2, 3, 2. 4. Ah. J'ai failli dire 2. En plus, j'ai Zut de hésité entre 2 flûte. puis 4. Zut de flûte. Jus de cacahuète. C'était drôle, hein. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va goûter un bol de céréales au raisin. De quoi tu parles? Je sais pas. Ah! It's It's magical, Pepetol. magical. C'est magnifical comme les pécoles. Tu te souviens-tu quand on disait ça au Pépitos. primaire? Ouais. Alors les amis, pour la suite de la vidéo, tout simplement, je l'ai coupé, je vais le couper au montage, puisque ça, je vais juste rentrer à ma base. Ça va être assez long, assez chiant. Enfin, je vous coupe ça. On va se retrouver pour un prochain épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi, je suis extrêmement content, en tout cas, qu'on l'aille adopter, le petit T-Rex. Comme vous voyez, il est niveau 150 à l'image. Et comment dire que hors cam, je l'ai plutôt bien amélioré. On va se retrouver de toute façon pour un prochain épisode. Vous allez voir ça plus en détail comment j'entraîne mes T-Rex. Ciao tout le monde. Peace.